aujourd'hui, le petit chauffage a évolué. J'ai pris trois bouts de bois que j'ai mis pour soulever le pot de terre. Et j'ai mis mes trois bougies comme d'habitude. Donc en fait, ça fonctionne très très bien. C'est très sympa. Et ça fait un peu de lumière tamisée. Voilà, je vais peut-être pas respirer juste au-dessus parce que l'air est quand même vicié, que ce soit au-dessus d'une bougie, au-dessus d'une bûche, etc. À partir du moment où il y a combustion, ben, l'air il est quand même vicié, il est quand même moins pur à respirer, si on peut dire. Et donc voilà, donc je suis toujours ravie de mes petits chauffages d'appoint, mes fours solaires. Alors je voulais juste te dire que j'avais craqué, je me suis offert un autre four solaire, j'ai acheté un autre pare-soleil. Ça me fait délirer. Donc j'ai acheté un autre pare-soleil, donc je vais pouvoir créer un autre four solaire selon un autre modèle encore plus simple que celui que j'ai et qui devrait être encore plus efficace. C'est-à-dire que c'est un modèle qui peut monter jusqu'à 170 degrés d'après son créateur. Je mettrai le lien dans le descriptif dès que je le retrouve. C'est le four le plus simple du monde et qui est le mieux, qui est vraiment top, quoi. Donc voilà, les fours solaires, vous savez que les cuiseurs solaires, du moins moi je suis convaincue. Plus tard, je fabriquerai un four boîte. Donc je vais voir en quelle matière je le fais. Je pense que ça va être du carton parce que toujours dans la même optique, c'est vraiment prendre des objets qu'on a autour de nous et les détourner de leur fonction première, à savoir deux cartons, un plus petit, un plus grand. Et il faut que je trouve quelque chose, peut-être pas du verre parce que j'ai pas envie de me blesser ou de faire quelque chose de dangereux, mais je vais faire certainement une porte ou quelque chose comme ça, avec du polycarbonate ou un truc comme ça. Je suis assez fan du polycarbonate, regardez, ça c'est ma chaise de bureau. J'aime beaucoup ces chaises en polycarbonate, ça fait prisme, etc. Ça me plaît. Donc voilà. Là, c'est une des rares cas où le polycarbonate, personnellement, moi j'adore. C'est du plastique très très résistant et il est utilisable à l'infini. Ces chaises, je les ai achetées il y a très longtemps et je les traîne de partout depuis très longtemps. Elles n'ont pas une rayure. Donc voilà, simplement, je voulais donc annoncer l'achat de mon second four solaire avec le second pare-soleil que j'ai trouvé sur Amazon avec les Black Friday. Ça commence les prix des Black, voilà, là, je vais y arriver. Les Black Friday, c'est vraiment intéressant. Donc voilà quoi. Bah, je l'ai à moins de 10 euros. Hein. J'ai pris de bonne qualité parce qu'il y en avait un qui était à 2 euros carrément, mais c'était vraiment, je savais que c'était de la qualité. La sous-qualité, donc j'ai voulu prendre un bon four, quoi. Voilà. Donc, bah, je vous dis à bientôt pour tout ce qui est cuisine solaire. J'ai laissé tomber les desserts en papillote parce que c'est pas bon. Je dis franchement, c'est pas bon. Donc, et j'ai essayé de reproduire l'expérience des cuiseurs solaires avec un four à basse température en mettant à 100 degrés pendant 1 heure et demie. C'est pas du tout le même goût. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça se fait. Mais c'est en même temps pas assez cuit, en même temps trop cuit. Donc ça dépend des endroits. Et pourtant, c'est des papillotes, c'est fermé. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pas la même expérience culinaire. C'est pas bon, quoi. Enfin, c'est moins bon. Je veux pas dire que c'est pas bon parce que c'est pas vrai. Avant de connaître ça, je me serais régalée avec. Mais là, maintenant, je suis plus difficile et plus difficile à contenter. Et le plat est très. Et limite, alors que d'habitude c'est une expérience culinaire. Voilà, c'est une expérience de gourmet, quoi. Voilà. Donc bah, tout ça pour vous dire que bah, le solaire ça continue bien sûr et que je vais aller dans ce sens-là. Je pense que les vidéos par contre vont s'arrêter. Je vais probablement faire une petite avec quelques briques réfractaires selon le modèle que j'ai eu sur YouTube, faire un deuxième petit chauffage d'appoint. À des endroits où les animaux vont pas parce que j'aurais trop peur qu'ils foutent le feu. Donc il y a des endroits où il y a du carrelage et qui est éloigné de bois. Enfin, sauf là, mais là je suis devant et je regarde. Donc s'il y a un souci, je peux interagir. Donc de toute façon, j'ai des avertisseurs partout, hein, dans toutes les pièces. Donc voilà. Je suis équipée au niveau avertissement, au niveau alarme, etc. Donc bah, je vous dis à bientôt. Et puis pour tout ce qui est solaire. Je pense que ça vaut vraiment le coup de s'y attarder, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire qui sont très sympas et qui permettront à pas mal de gens de passer l'hiver dans de bonnes conditions. À bientôt!